Ah oui, exact. Mais pourquoi il fait ça? Mais je sais pas. Bonsoir. Encore du tout droit là, c'est pas ça. Hein. Ouais. C'est oui. Pas ça. Ouais, bah c'est direct hein, par contre. Mais par où on est passé encore? Mais c'est marrant. Ah oui, t'as l'air de rigoler d'ailleurs. Bon, ça va? Mal au mollet. Ah. Ouais, 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 ça pique. Ouais. Voilà, donc on va bivouaquer dans cette zone-là. On a du thym pour tout ça. Ouais, j'en ai pris aussi. Oh là là, les couleurs. Ouais, c'est grandiose. C'est ça. Donc là, tu nous fais de l'escalade. On n'a pas de réseau, c'est bien. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, je me recoiffe. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est Agnès, salut. Salut. Bip 4 ans. Quoi? Bip 4 ans. Ah, c'est pas plat. Mais si, mais regarde. Si. Oui. Bon, on vient d'arriver sur un petit plateau fort sympathique où il y a quelques chaînes, c'est assez dégagé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu voyais pas ce que je faisais? Mais arrête avec ça! Jette pas! Mais je jette pas! Tu jettes pas, hein! Alors moi je vais me poser mon Mac là-haut, dans les 2-3 chaînes là, et Agnès juste là. On aura tous les deux une vue splendide demain matin. C'est beau! Ouais. Et le ruisseau, il est 50 mètres en dessous là, à peine.
Bon, on est juste au bord d'un chemin, mais à mon avis, il est très peu emprunté. Donc on va être bien tranquille. Bonsoir, madame. Tu vois, il y a une poignée là. Oui, oui. C'est pour qui une poignée? Pousse-toi, c'est l'héros. Allez. Débrouille, prends une place. C'est comme moi. Là, c'est important. Hein. Tu l'allumes en permanence jusqu'à plus de 23 heures. Ouais. Ah bon, j'ai pas rechargé à fond. Mais je vais pas. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que tu vois là, il y a cette espèce de. Donc. Bon, ça aussi. Voilà, je viens de poser mon hamac dans le bosquet de chêne qu'on a vu précédemment. Donc c'est solide, j'ai testé. C'est assez haut en plus, je sais pas, peut-être 2 mètres au plus haut, un peu plus de 2 mètres. Avec une vue spectaculaire demain matin. Voilà, on passe au feu maintenant. Tu sais que je sais. Le feu pile où est mon hamac foil en fait. Ouais. Un peu loin, ouais. On peut peut-être. Mais qu'elle est con. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, regarde bien. Ah. Un petit peu de l'autre côté. Peut-être la rapprocher et le mettre entre les deux là. Le siège, ouais. Après ça descend un peu, c'est pour ça. Faut trouver la pierre idéale. Ici. Arrête, les héros, c'est moi. Bah, et alors? Ah ouais. Voilà. T'as chaud là? Il me drogue moins dessus quand même. Ouais. Ah.
qu'il y en ait trop. Ah. Je vais prendre. Oh, il est bien gras lui, hein. Des feather sticks de bois gras. Ouais. Des... Ouais. Non mais des trucs plus fins, non, tu veux pas? Ouais, ouais, ça. Ah oui, voilà. C'est ça. Tu tournes là? Ouais. Ok, bah j'allume alors. Vas-y. C'est tout bon. Ma petite réserve. Ouais. Ouais, je vais me brancher aussi. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Quentin. Oui, c'est ça. Vous allez bien? Ça va mieux, ouais. Ah. Mais c'est pas vrai. Donc là, t'es en train de préparer ton panini. C'est ça. D'accord. Donc, bacon. Bacon rouge. Du bacon, des tomates, du fromage et des champignons. C'est pas mal déjà là. Ah oh bah oui. Ah oui. Oui, c'est un peu grillé de ce côté-là. Ouais. Pardon, je... Non mais je... La tête. Alors c'est bon? Ouais. Panini des bois. Ça a l'air, ouais. Ouais, c'est ça. Excellent. Très bon. Ouais. Très bien. Très bonne recette. Bon, allez, je vais me coucher, moi. D'accord. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, bonne nuit, salut. Ouais, salut. Bon, ben voilà. La soirée bat son comble. Je suis dans mon hamac, à près de 3 mètres du sol, mais c'est très agréable d'être perché comme ça dans les arbres. Dans mon sac de couchage, comme d'habitude, j'ai simplement la couverture de survie Space Blanket pour m'isoler du froid. Ça suffit amplement. Agnès aussi dans son couchage, pratiquement. Où est-ce qu'elle est? Là, on voit son tarp. Bonsoir. Je suis là. On la voit bien en plus, d'ici. Voilà, elle danse. Et donc c'est parti pour une bonne nuit de sommeil avec une vue de folie demain matin. Ça va être exceptionnel. Donc voilà, allez, à demain, salut. Bon, ben c'est le matin, il fait très beau, la vue est splendide comme prévu. Et il a fait froid, je pense, cette nuit. J'ai failli tomber.
Voilà, c'est magique. Bon voilà, je me suis levé de mon hamac, enfin je me suis sorti de mon hamac. Là il est plus de 10h maintenant, 10h30 je crois. Et on va commencer à ranger doucement parce qu'il y a un peu de bazar par terre à côté du feu, comme d'habitude. Voilà, donc c'était un chouette bivouac jusque là. Si. Et on va pouvoir voilà, tout ranger et repartir de là où on vient. Allez, on range tout. Pareil, c'est un trait, oui. Ça. Oui. Non. Tu fais un mix de nos délires avec cette voix-là. Oui. Allô. Allô. Oh, on n'a pas fait allô. Oui, c'est vrai. Un agneau. Une agnelle, je veux dire. Allez. C'est contrôlé. Ah oui! Et bah c'est fait pour que ça repousse mieux derrière. Ah oui! Ah c'est vrai. Et ouais. Donc là on a fait quelque chose de bien pour l'environnement. Ah! Tu vas faire partie intégrante du cadrage. Ah. Et bien voilà, le bivouac arrive à sa fin. Et on va pouvoir retourner tranquillement en bas là, au fourgon. Et les promener encore. En dessous, tout en bas. Ah ouais. Et ainsi conclure ce bivouac qui fut encore une fois excellent. Donc voilà, c'est parti, on redescend. Allez, on s'en va. On s'en va. Tranquille. Merci beaucoup. Hein. Ah, j'ai plus de place. Voilà, quand on était dans ce chêne là, moi ici. À froid comme ça, ça fait mal au niveau. Ouais. Bien. Il y a des gens qui se font foutu vraiment à côté en fait. Ah, ça n'arrête pas ici, c'est pas possible. On peut pas être tranquille, hein. Lâche-moi. Oh.
Bon, ben voilà, la vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine pour un autre bivouac. Merci, salut.